sixième édition, donc inscrite dans le paysage des rencontres du département. C'est aujourd'hui plus de 600 jeunes qui sont venus ici au département pour rencontrer des associations, les services du département, certains services de l'État. On a souhaité rester sur un format de 2 jours, mais avec une journée spécifique pour les collégiens. On a voulu parler des jeunes face au risque. C'est l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied sur la mise en place. Le département, c'est également le financeur principal du SDIS, les sapeurs-pompiers. Donc tout ça, on est vraiment autour de la problématique du risque, avec la liberté d'expression, avec l'utilisation des réseaux sociaux, avec toutes les problématiques liées autour de la santé, de la sexualité. On s'est dit, on va arrêter cette thématique générale et puis on va chercher un maximum de partenaires qui, durant ces 2 jours, vont tenter d'apporter un maximum de réponses aux jeunes. En fait, les thématiques sont différentes. Donc, en fonction des jeunes que l'on va avoir, donc 6e, 5e, on va plus travailler sur des messages de prévention tels que Internet, comment protéger son compte, comment naviguer avec plus de sécurité. Quant au 4e et 3e, on va plus travailler sur les addictions. Alors, tout ce qui est drogue, thématique aussi d'alcool, combien de verres, les nouvelles réglementations. Avec mon camarade donc, qui se trouve à côté, le gendarme Jean, qui lui s'occupe aussi des simulateurs. Donc, ça permet d'ouvrir un contact à un plus grand nombre de jeunes, parce qu'on travaille sur 2 jours. Donc là, ça permet de diffuser énormément de messages de prévention. Moi, je sais qu'il y a des choses que je ne ferais pas et que j'aurais fait si jamais j'aurais pas été là, parce que j'étais pas au courant de tout ce qu'on nous dit là. C'est un simulateur et ça nous a fait tourner sur nous-mêmes comme des tonneaux. Et comme si on faisait un accident de voiture. Enfin, ça a été vraiment pour nous montrer ce que ça pouvait faire si on faisait des tonneaux dans la vraie vie. Après, j'ai bien aimé aussi le secourisme, l'hémorragie et le PLS. Et là, on va vous montrer comment on pose un garde. On a plusieurs ateliers. On a un atelier sur l'alerte, un atelier sur les hémorragies, un atelier sur le bilan, les troubles de conscience et un atelier, là, celui-là, sur l'arrêt circulatoire. C'est tout à fait essentiel de former et de former encore donc les collégiens, mais de façon générale les citoyens aux gestes qui sauvent, de façon à augmenter le pourcentage de survie en cas d'arrêt circulatoire notamment, ou améliorer la prise en charge de nos concitoyens qui ont des soucis, oui. Alors d'abord, ils sont très réceptifs et c'est aussi de très bons vecteurs d'information par rapport à leurs parents. Je suis Vue de la radio Caravelle et aujourd'hui, on va faire ensemble une petite émission. Enfin, une émission, on va vous interviewer, vous poser des questions, comment vous vous appelez, vous avez quel âge, vous êtes en quelle classe, etc. Alors, la radio Caravelle, ça a été créé en 2012. C'est la radio du collège Guillaume le Conquérant à Saint-Saëns. Je vais bientôt avoir 12 ans. T'es en quelle classe ? 6e. Alors, au micro rouge, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Abby. C'est pas vraiment une émission, en fait, c'est plutôt des interviews des gens qui viennent ici. Et donc, on leur demande leur nom, leur prénom, leur âge, leur classe et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de ces rencontres jeunesse. Des questions, on a interviewé tout à l'heure monsieur Nicolas Bertrand, monsieur Pascal Martin. Moi, je leur dis, ayez confiance en votre avenir. Vous avez de quoi préparer un bel avenir pour vous-même, pour vos proches, mais aussi pour la France. C'est vraiment super, ça me donne envie d'y retourner les prochaines années. C'était amusant, on est tous ensemble. Thank you.